question très difficile. Je pense qu'il y a trois sortes de couturiers. De toute façon, il y a les grands, les vrais, ceux qui savent donner un coup au cœur à une femme simplement en faisant une robe très simple ou un tailleur très simple. Et dit comme ça, il y en a combien? Oh, je pense qu'il n'y en a que, qu'il y en a eu que deux pour l'instant. Je pense qu'il y a eu Balenciaga et Chanel qui ont marqué leur époque et leur métier. Je ne pense pas que j'en sois encore là, mais je ne pense pas qu'aucun de ceux qui existent arrive à cela, en tout cas en ce moment. Et les autres sont tous dans la même catégorie? Non, il y a ce que j'appelle les couturières, c'est-à-dire ceux qui font honnêtement leur métier. C'est très ennuyeux, très, très bourgeois, très ennuyeux. Et puis alors il y a les couturasses, enfin, les espèces de gens qui font tout à l'esbrouf, qui ont besoin de musique, qui mettent des oreilles de Mickey dans les cheveux, qui attifent les femmes avec de la ferraille, avec du cuir, des espèces de choses que je ne comprends pas, qui sont totalement indifférents, qui m'échappent totalement. Est-ce que vous ne pensez pas...